Wesh l'équipe, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure. Ça fait un bail que j'ai pas joué à PES. Franchement, j'étais occupé et surtout, j'attends la sortie de IFC 24, FIFA 24. Donc, pour vous donner du contenu, et c'est bientôt. Alors, c'est sans oublier, voilà, vous voyez, je suis déjà à 900 et quelques abonnés, 960 quelque chose. Cette vidéo, c'est aussi pour vous demander, vous implorer, les gens qui ne sont pas abonnés, de s'abonner. Likez ma vidéo surtout pour que, voilà, likez mes vidéos, abonnez-vous. Je suis bientôt à 1000 abonnés et je pourrai monétiser cette chaîne, enfin, peut-être gagner un peu de revenus dessus. Et ceci pourra peut-être nous aider à acheter quelquefois des jeux que j'aurai payé des jeux. Et c'est pour ça m'aidera à vous donner aussi un peu plus de contenu sur cette chaîne. Je sais que la majorité vous aimez des jeux de sport, donc il n'y aura pas assez, il n'y aura pas de problème. Alors concentrons-nous maintenant sur le match et essayons de gagner ce match pour essayer de nous qualifier à la Coupe du Monde. Alors là, nous allons frapper un coup franc. On va essayer de la mettre. Je sais pas. Alors là, je vais la mettre ici. Ah non, j'ai tiré un peu tout doucement là. Et on prend un but, le Nigeria qui marque un but. Et franchement, on a raté beaucoup de buts. Hein. J'ai raté, j'ai touché des poteaux, j'ai pas voulu montrer dans la vidéo, mais c'était voilà, c'était chaud, hein. C'est un super but et franchement, là, c'est l'équipe, c'est le mur qui n'a pas sauté. Il faut qu'on égalise au plus vite, sinon on sera dans une difficulté comme d'habitude à ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Attention, on prend un deuxième but de la part du Nigeria. C'est Chukwueze qui double la marque. Je crois que les carottes sont cuites, les gars. Par si on peut égaliser, je sais pas. En tout cas, franchement, j'aurais pas dû rater mes buts là. Attention, on prend un troisième but, les gars. Alors là, je crois que c'est fini. C'est fini pour nous. 3-0, on prend 3-0 de la part du Nigeria, je crois. Le Nigeria s'est vengé de notre finale. Coupe d'Afrique, là. Alors là, la deuxième mi-temps, en tout cas, ils ont tout dominé. Première mi-temps, on avait dominé. J'ai raté des buts. J'ai raté des buts qu'il fallait pas rater. Je ne vais pas montrer dans la vidéo ce genre de buts parce que c'était pas vraiment des grosses occasions, mais j'aurais pu les mettre. Et là, voilà, c'est fini pour nous, donc. On perd 3-0, c'est juste incroyable et ça montre à quel point que notre équipe de la RDC est complètement bas. Et là, je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, on est quatrième. Ah, c'est chaud. Voilà, il fallait pas perdre ce match, mais bon, il y aura encore des matchs, donc il faudra juste les gagner. Et on va jouer la Champions League face à la Juventus. C'est la quart de finale, je crois. J'ai pas vu. Oui, c'est les quarts de finale. Je joue milieu offensif et c'est parti, on va cliquer coup d'envoi et on va essayer de jouer et on va essayer de gagner. Allez, c'est parti, gros match en tout cas, très joli stade là, le stade de Juventus. Voilà, on entre dans le stade là. Et je vais laisser un peu la cinématique, même si ça fait traîner un peu la vidéo. Les supporters sont présents, tout le monde est prêt. On va voir, on doit gagner ce match. On est à l'extérieur ou bien... Je crois qu'on est à l'extérieur. Allez, voilà, toute l'équipe, on est là. Il faudra que je change la couleur de mes cheveux, parce que rouge, ça pique un peu aussi maintenant. Toute l'équipe, ils sont là. Renato Sanchez, il n'y a pas de Mbappé, j'ai pas vu Mbappé.
Voilà, à Juventus, ils ont des nouveaux joueurs, à part Adrien Rabiot, ce que je vois. Il est toujours présent. Et il n'y a pas vraiment d'autres. Tout ce que je vois, ce sont des jeunes joueurs. Di Maria qui est là, qui est toujours présent. Il doit avoir 40 ans, Di Maria, ici. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'équipe Juventus se prend des photos. C'est une grande soirée de football qui nous attend, comme souvent dans Allez, ce c'est parti, monde. Serginho Et là, d'Est, c'est qui est clairement à sous contrôle. Juventus. Certaines équipes sont même prêtes à Voilà, franchir le on va un pas peu pour passer affronter ça parce l'Olympique que lyonnais sur voilà. la scène européenne. En fait, Allez, c'est c'est parti, une gros victoire match Juventus nécessaire Paris Saint-Germain, quart de pour la finale. plupart des joueurs. Remporter cette compétition, ben c'est un rêve. Un peu d'air pour la défense. Dans la profondeur, Jolie passe à Mbappé là. Est-ce qu'il Mbappé. va y aller? Il va y aller bien sûr. Mbappé, j'ai Mbappé. confiance en toi, Mbappé. Vas-y, 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 shoot. Mais shoot Mbappé. Ah. Attention. Chaud là. Je n'ai pas compté les centres d'arène, mais il y en aura. Oh, le bon pied, c'est dangereux. Et on prend un but. Un but de la Juventus. Vlahovic. Attention, ce joueur, j'ai joué avec lui dans une carrière. Avec le FC Barcelone, pour ceux qui avaient vu la saison, la carrière de l'équipe, Vlahovic qui avait franchement qui nous avait aidé vers la fin de notre saison. Et là, j'aurais dû récupérer ce ballon très très vite. Et là, n'oubliez pas que voilà, je joue la mise à jour, le gameplay a un peu changé, donc c'est devenu un peu plus dur, donc c'est plus rapide. C'est pour ça que vous êtes en train de voir que je suis en train de me prendre un peu beaucoup de raclées. En fait, j'ai un peu augmenté la difficulté, mais le gameplay est un peu plus fluide et le problème c'est que l'IA. Allez, c'est parti. Et oui. Et oui. Ekitike qui égalise. Voilà, c'était bien joué en tout cas de Ekitike. J'étais à côté mais j'étais hors jeu. Je l'ai laissé jouer jusqu'à la fin parce que. Voilà, on prend en. Légalise un but partout. La jolie passe Ekitike. Voilà. Une passe décisive. Et voilà, ça fait 2 buts à 1. Voilà, un comeback en première mi-temps, franchement. Voilà, je me sens un peu plus fluide en tout cas sur ce nouveau gameplay de Football Life. Allez, regardez la jolie passe là, je l'avais vue et là il pouvait que tirer et la mettre. Et j'ai confiance en lui en tout cas, c'est un jeune qui monte à PSG et franchement il est fort chaque fois que je lui donne des passes, il arrive à marquer. Voilà, il arrive à marquer. Et là, on a fait un marquage rapproché. Je vais essayer de profiter du fait qu'on a fait un marquage rapproché. Ça veut dire que ça va nous laisser beaucoup de liberté à nous et à Mbappé. Et on va essayer de marquer. Ah non, là, j'ai mal défendu, les gars. C'est Vlahovic. Pourquoi on me met sur Vlahovic? Ah là là. Égaliser. Franchement, là, 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 c'était. Voilà, c'est ma faute en tout cas. Regardez. Ah, pourquoi on m'a mis chez lui? On m'a mis chez lui pour rien. Alors. J'étais distrait. Là, c'est ma faute. Vlahovic qui nous met un doublé. Ah, en tout cas, ce type-là, c'est un démon. Ça, je vous l'ai dit. J'ai joué avec lui et il ne ratait jamais. Attention. Et qui essaie toujours de marquer là. Et voilà, ça c'est le dernier tir de la première mi-temps. En tout cas, ce match est très chaud, les gars. Est très chaud. On va essayer de gagner. Ça sera pas facile. Là, je vous le dis, ça sera pas facile. Je le sens. Ouh, Ekitike qui rate un but là. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte?
Le jeu s'arrête, il est temps de procéder à un changement. Attention, attention, et le but, Bukayo Saka, qui marque, super but en tout cas, il faut que je marque aussi mon but, parce que là, toute l'attaque a déjà marqué, à part Mbappé et moi, bien sûr, là c'est très bien récupéré de la part d'Ekitike, en tout cas Ekitike sera l'homme du match, il a tout donné aujourd'hui, on est à fond, on veut remporter cette Champions League. Va-t-il en profiter? Kean a failli égaliser à la dernière minute. Ça a failli être 3-3, mais ça allait être un bon résultat de toute façon à l'extérieur. Donc même si on gagne, ça, franchement, ça sera très bon résultat, on ira en demi-finale directement. Ah. Le gardien dégage loin. Et c'est le coup de sifflet. Et voilà, on gagne. Dans un stade qui gronde, qui trépille. Allez, on se retrouvera au match retour. Voilà, donc voilà. Le but, quel but! Voilà. Donc on revoit ce but. Franchement, je me suis très bien démarqué là pour bien enrouler. Regardez, j'ai fait une passe à Renato Sanchez qui a reculé un peu derrière. Et là, j'ai demandé la balle juste là. Là, j'ai juste attendu pour bien la placer. Ça fait un but à zéro. En tout cas, c'est moi le meilleur buteur de la Ligue 1, je crois. Et le match est terminé, les guys. J'étais complètement distrait et je suis homme du match. Franchement, j'ai fait un match de malade. Donc voilà, voilà, on est premier du championnat. Ça c'est sûr que on remportera le championnat et on va jouer face à la Juventus. Je crois que ce sera le dernier match de cette vidéo. Attendez, on va voir. Je vais voir le calendrier ensemble. Très bon, il n'y aura pas vraiment des gros matchs. Hein. Et on pourra se retrouver ici. Voilà, bon. Après, il y aura la demi-finale, donc. Allez, on va jouer ce match. Peut-être que ça ne sera pas le dernier match parce que je vois qu'il y a Monaco. Ensuite, il y aura Lyon. Alors, il faut que je me dépêche. En tout cas, vu que c'est la Champions League, l'objectif. On ne jouera que la Champions League jusqu'à la fin parce que j'ai envie de remporter cette Champions League avec vous avant de passer aux autres jeux qui viendront bientôt. Et la gros match face à Juventus, là je passe parce que voilà, qu'on y arrive vite. Et le but! Franchement, on a fait un super un petit jeu. J'espère que je vais laisser ça au montage. Franchement, alors comment ça super bien joué. On va revoir ça ensemble. Regardez. Là. Avec Neymar et tout le monde là. Franchement, ils m'ont laissé de l'espace. Ils m'ont laissé retourner. J'ai eu peur qu'ils allaient venir me rattraper rapidement. C'est mon Neymar. Là, ce petit toucher là. Et voilà, ça fait 1-0 les gars. Franchement, on a l'avantage de toute façon. Donc, il faudrait qu'ils nous gagnent de toute façon. Et même s'ils doivent nous gagner, d'au moins, je crois, 2 buts de différence. Voilà, donc ils doivent nous marquer au moins 3 buts, je crois. Faut
C'est parti, contre-attaque. Alors, je sais pas ce que je vais faire. Je crois que je vais y aller. Et oui. Voilà, ça fait deux buts. En fait, j'ai vu les gardiens avancer. Je me suis dit que voilà, là, je vais la placer juste calmement parce que je crois que le gardien est tellement concentré. Autre chose. Franchement, je sais pas combien de buts j'ai marqué en Champions League. J'espère que ça va me donner des points pour. Voilà, vous savez quoi. Regardez, regardez. Voilà, là, je me suis calmé parce que franchement, il n'y a pas aller vite ici. J'ai juste la placer et c'est tout. L'arbitre m'avait empêché d'avancer. On dirait que il avait parié sur notre défaite. Mais aujourd'hui, on ne va pas les laisser. Ah, voilà, calmement, je me suis mis. Il ne pouvait rien faire face à cette balle. Et le match est terminé, les gars. On est qualifiés pour. Voilà, vous connaissez quoi? On est qualifiés pour les demi-finales, les gars. Alors, voilà. Donc, on est super content. On a super bien joué. Donc, je crois que c'est la dernière vidéo. Dernier match de cette vidéo. On se retrouve au prochain match. Et ça sera, je vais voir, on va voir ça ensemble. Dès que Villarreal est passé, FC Porto, ils sont passés. Et Manchester City, j'espère que ça ne sera pas face à Manchester City. Sinon, ça sera un match de fou. Je voudrais qu'on se rencontre en finale. Ce qui serait bien. D'ailleurs, je vais commencer même à passer. Voilà, ça sera contre FC Porto. Donc... à bientôt les guys.